Jérôme Charbonnier. Bonjour. Donc en fait, on s'est retrouvés en face de jolies gravures, de trucs plein d'humour, avec des détournements entre vieilles gravures et puis travail de graphiste. Donc voilà. Vous nous dites un peu d'où vous venez, ce que vous faites. Alors, je suis graphiste indépendant. Je travaille et vis à Bordeaux. Et voilà, je travaille quasi exclusivement pour des offres culturelles, comme par exemple le festival Festar à Libourne, voilà, des choses comme ça. Et à côté, parallèlement, voilà, j'ai voulu mener des démarches un peu plus personnelles avec ce type d'image, en m'inspirant des gravures du 19e siècle et leur tordre un peu le cou. Voilà. Ouais, oui, on va filmer un peu, il y a des personnages et des choses un peu marrantes. Et en fait, vous connaissiez Corinne? Non. Non, non, j'étais invité par Sandra qui fait partie activement de l'association. Voilà, ils ont croisé un peu mon travail et puis voilà, ils m'ont demandé très gentiment si je voulais participer à cette première expérience. Et voilà, je suis venu. C'est bien, vous êtes beaucoup sollicité. Non, maintenant à Bordeaux, il y a plein d'expos, il y a un petit festival du fanzine aussi. Avec des gens, il y a des gens très brillants maintenant à Bordeaux. Vous en faites? Bah oui. Oui, il y en a beaucoup. Oui, là, c'est au Douvres, en effet, une fois par an, il y a un festival autour de ça, avec beaucoup de confrères. Moi, j'ai pas participé, voilà. Mais en effet, il y a quelques petites choses qui se passent autour de l'image à Bordeaux, mais pas que. La preuve, c'est qu'on est ici à Bergerac. Voilà. Bon, alors voilà. Vous me disiez, vous veniez éventuellement, vous avez fait un petit passage à Belvès et Sainte-Foy, mais comme habitant, pas... Oui, je partage mon temps entre Bordeaux et Belvès. Et c'est vrai que j'habitais quelques temps dans le secteur. Mes filles sont bergeracoises, d'ailleurs. Voilà. Donc, je ne suis pas non plus en terre complètement inconnue. Elles sont lycéennes encore? Oh, elles ne sont pas encore lycéennes. Non, non, elles sont encore très jeunes. Bon, bah, bravo. Hein. Voilà, c'est l'œuvre que j'ai proposée au vote, donc qui... pour offrir une œuvre à la mairie pour cette première édition. Et j'ai choisi celle-ci parce que c'était la première de la série. J'ai commencé par cette image et voilà, je suis parti sur un travail autour du crâne. C'est quelque chose qui me suit depuis les Beaux-Arts. Voilà. Et la particularité de cette image, c'est qu'il n'y a aucune des images qui composent cette composition n'a à voir avec un crâne en fait. On a des coquillages, des... Voilà, ça se joue plutôt sur les niveaux de gris, les noirs, etc. Et donc c'est une forme un peu d'illusion d'optique avec une double lecture. Voilà, de loin on voit un crâne et de près on voit plein de choses constituantes de la nature, etc. Voilà. Avec le jeu entre justement, pas que Vanitas, mais entre la vie et la mort, quoi. Oui, un rapport aux vanités. Voilà, comme voilà, je suis assez, j'aime beaucoup les vanités du 17e. 16e, 17e, voilà, on retrouve un petit clin d'œil. Voilà, et après, affinités. Vous êtes amusé plutôt à faire ces espèces d'associations surréalistes? Oui, alors là, il y a des images, voilà, comme ça, un peu absurdes, certaines qu'on va retrouver d'ailleurs dans certaines commandes que j'ai eues pour des festivals. C'était pour les Nuits Atypiques, par exemple, qui se trouvent en Sud-Gironde. Et voilà, c'est des montages, des petits clins d'œil comme ça, un peu humoristiques, un peu décalés. Alors, atelier Aime, ça je ne savais pas, si? Je sais que... Depuis 2 ans, descendu de Paris. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Bergerac. Voilà, je suis parti à Paris entre-temps et je suis revenu à Aime. Et alors, tu étais allé chercher fortune à Paris, non? Non, une femme. Trouvée? Eh oui. Oh, génial. Et tu l'as ramenée à Aime? Elle est là, à beauté. Elle fait quoi? Des collages. Ah, mais je la connais. Mais oui. Ah, mais tout ça, c'est du lien entre non, Corinne. Je n'étais pas du tout cherché à aller chercher une femme. Oui, mais bon, il y avait du travail aussi là-bas. Mais c'est bien de raconter des blagues. Des blagues nettes. Depuis, il est libre. Oui. Ah non, ça c'est les derniers petits tableaux. Parce qu'on on en parle beaucoup de guerre et de machin. Donc le mot qui me venait le plus à l'esprit, c'était le mot libre, être libre. Voilà, donc j'ai fait une petite série d'une dizaine de tableaux. Qui est en plus un derrière les livres, c'est la nouvelle matière que je suis en train de fabriquer pour mon prochain tableau, qui sera prêt en 2026, je pense. Alors en fait, il faut dire que là aussi, c'est plus intéressant de les voir la nuit. Oui. En fait, là, on a juste un quart de lumière de la lecture des tableaux. À savoir qu'il y a une lecture fluorescente, c'est l'ultraviolet. Du coup, si on éteint le fluorescent, on a le phosphorescent. Donc ça n'a plus aucune source de lumière. Et quand on est dans le noir complet, on se met une lampe sur la tête et on peut avoir le réflectorisant. Comme ça, tu l'avais vu chez moi, non? Oui. C'est pour ça qu'en fait, ce travail, il est joli là, mais... Ouais. Non, mais j'ai vu à la galerie aussi. Hein. Ouais. Mais on peut l'avoir quand même chez soi complètement. Et le fluo, le phospho et le réflecto. Pas ici, c'est tout. Voilà. C'est ça que tu dis, la nouvelle matière que tu... Ah non, il n'y a pas. D'accord. C'est juste caché par les libres. Voilà. D'accord, ben on ira à la galerie Aime si on veut voir. En 2026. C'est un grand tableau, prévu un grand tableau. Ah, déjà, il y avait un gros truc chez Corinne à un moment. Oui, mais là, je ne pouvais pas l'emmener. En fait, c'est ça, je fonctionne, je fais un gros tableau tous les 4 ans et je fais de la matière du tableau en cours, j'en fais plus. Du coup, je peux faire des petits tableaux avec les étapes du grand tableau. Très bien. Voilà, et ça permet qu'on puisse quand même s'acheter, bon, enfin si on a 400 balles quand même, mais qu'on puisse quand même s'acheter un petit... Des petits formats, oui. Non, mais tout ça, ça et ça, c'était... Enfin, ceux-là, c'est des séries du grand tableau rond que tu as vu chez Corinne. Ça fait partie aussi de ce travail-là. Ça, tu as une série sur le plexi. Et ça, il n'y en aura plus par contre, parce que j'ai plus les plaques. D'accord. Je pourrais faire d'autres couleurs. Il faudrait quand même que tu expliques cette espèce de truc, ce truc de chirurgien là. Mais j'ai pas amené de plaque aujourd'hui, mais demain j'emmène. Mais non, mais rien que le système. Oui, mais c'est vrai. J'aurais pu amener des plaques pour expliquer aux gens comment je procède. Mais enfin, c'est un peu facile. C'est de l'adhésif que je superpose. C'est comme si on avait des pages d'un livre, mais tout autocollé. Et à l'aide d'un cutter ou d'un bistouri, après je tranche ou je coupe ou je pèle dedans. Et après je l'extrais, je le vernis et puis je fais des tableaux avec. Et je me souviens que tu étais un spécialiste de la super bonne colle, tu sais la colle contact là, qu'il y a les U3, oui. Voilà, les sous-marques. On n'a pas le droit de dire des marques. Non, voilà. Bon. Mais les sous-marques, t'en voulais pas. Non. Comme l'adhésif, j'en veux pas de sous-marques d'adhésif. Ah, il y a une marque de... Ah, il y a des marques d'adhésif professionnels, oui. Et puis il y a du Vénilia, enfin encore une fois je dis une marque, mais il y a l'adhésif qu'on peut trouver dans les magasins et les adhésifs qu'on trouve en industrie. Et c'est du truc professionnel, ça ne bouge pas, ça. Oui. C'est marrant, ça, parce que du coup, il y a comme effectivement un truc entre la maladie et l'escargot. Il y a surtout, on dirait, un tableau de Saint-Germain-des-Prés, quoi. C'est bourgeoisie du 6e, or et noir. Et pas cher pour... Mais non, mais ils viennent pas, ils sont pas là. J'ai raté ma cible. Bon. Allez, peut-être dimanche, c'est la promenade du dimanche. Peut-être aussi. Puis... On a fait une belle expo à Aime, donc c'était pas mal. Là. Point de vue des affaires, tu vois. Des affaires, non, mais ce qui était intéressant, c'est que justement les gens savaient que j'étais artiste, mais ils n'avaient jamais vu ce que je faisais, pour la plupart. C'est que là, depuis pendant un mois... Non, mais c'est l'intérêt d'avoir un atelier où les choses sont visibles. Oui, mais d'avoir une nouvelle galerie à Aime, la Corinne a ouvert un truc, j'ai exposé pendant 5 semaines, et les gens d'Aime ont pu vraiment se rendre compte de ce que je faisais. Ouais. Bon, bah, c'est une affaire qui roule, quoi. En tout cas, moi, je vais rester à Aime, alors... Ouais. Ton pays. Mon pays. Merci, Christophe. À bientôt, merci. Bonjour, Bénédicte, mon artiste préféré de Bergerac. Non, c'était moi, pardon. Donc, te voilà au Jardin Perdoux, dans cette exposition qui a été organisée par qui? Qui a été organisée par Corinne et son équipe, Corinne Bertolino et son équipe. Et c'est la première édition du marché de l'art de Bergerac. dans l'espoir de fédérer un petit peu des artistes qui ont vraiment travaillé et qui ont eu une certaine classe professionnelle. De la classe, bon, d'accord. Effectivement, on a fait un petit tour, il y a des choses intéressantes, on a vu. Alors, ah oui, il faut pas que je cache ma bouche. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de cette série-là qui est là? C'est une série que j'aime beaucoup employer. C'est ces papiers de couze ronds parce que là, elles ont une texture très intéressante à travailler à l'acrylique. Et je peux faire des séries. Et donc là, j'ai des séries un peu plus anciennes sur souvenirs de famille. Et puis des séries comme ça, retour de plage, qui sont un peu le plaisir de faire du dessin. Et là, plus sur un thème pour un festival de ébullition. Du coup, j'ai travaillé à travers une interprétation du papier bulle et après les fantaisies, voilà. Oui, enfin celui-là en bas. Et ça, c'est toute une série que j'avais faite sur le vin dans la mythologie. Et du coup, j'ai recherché tous les thèmes qu'il pouvait y avoir dans la mythologie à propos du vin, hein, aussi bien. Il n'y avait pas les noces de Cana? Hein? C'est pas celui-là qui s'appelle les noces de Cana? Ah oui, c'est ça, les noces de Cana, exactement. Voilà, le transformer. Alors, c'est en fait deux thèmes en un, puisque c'est la transformation de l'eau en vin. Et en effet, les noces de Cana. Voilà. Regarde, Philippe, derrière toi, tu as des spectateurs attentifs. Bonjour. Alors, là, c'est les personnages un peu... Oui, alors là, c'est une série que j'ai faite plus dans la recherche... Du mouvement, de la position pure, sans fioriture, sans juste un mouvement, et je les ai appelés les corps sans armes. Ouais. C'est les âmes sans corps, excuse-moi. Les âmes sans corps, les âmes sans corps. Oui, parce que c'est des corps mous. Juste un mouvement. Un mouvement, voilà. Et puis, oui, d'autres, c'est des parenthèses que j'ai fait entre plusieurs séries, des recherches graphiques, couleurs, composition, voilà. Et le grand bleu. Et là, ça, c'est un travail de recherche de couleurs pures, hein, avec du mouvement, de la couleur, en restant quand même un peu abstrait, en recul par rapport au mouvement de l'eau. Voilà. C'est un très très long travail de couleur. Je m'en souviens, c'était pas d'aujourd'hui, hein, celui-là. Oui, oui, bien sûr. J'ai fait plusieurs dans des rouges et verts, hein, qui sont sur des bons murs. Bon, eh ben, écoute, j'espère que vous allez avoir beaucoup de visites. Eh ben, ce matin, ça a déjà passé pas mal. Je dois dire oui, oui, parce qu'il y a eu une bonne pub pour ça, vraiment, sur les réseaux et tout ça. On a même vu sur le marché de Bergerac une femme sandwich. Une femme sandwich. Ah oui. Comme avec ça. Oui, ah bah oui. Et non, ça a l'air d'être bien mené, voilà. Et du coup, l'installation était un peu, ce matin, un peu difficile parce que les tailles ne correspondaient pas toujours. Mais finalement, tout s'est parfaitement déroulé. Eh bien, on espère que ça va continuer à bien se dérouler. Ah, eh ben, merci beaucoup. De rien. Bonjour Catherine et je crois bonjour Hervé. Oui, bonjour. Vous êtes un couple d'artistes. Non, nous ne sommes pas un couple d'artistes. Nous travaillons en binôme, mais nous ne sommes pas un couple dans le sens couple homme, mari, femme. Nous sommes un couple d'amis. Bon, mais d'accord, mais je vous demande pas. Non, mais bon, bon d'accord, vous êtes des potes, quoi. Oui, exactement. Ça, c'est sympa, parce que j'ai appris par une autre amie qu'il avait un camion et que c'était bien pratique pour des gens surbookés comme vous qui exposaient en même temps à l'Île de Ré et en Dordogne. Vous êtes quand même des artistes très demandés. Très demandé. En fait, on choisit nos lieux pour exposer, voyez, parce qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc Bergerac, c'est super sympa. Nous sommes venus avec Bénédicte et nous repartons avec Bénédicte sur l'île de Ré lundi. Voilà, ça je croyais savoir. Bon, on va un petit peu parler de ce que vous fabriquez. Donc vous, c'est, si je me souviens bien, des animaux qui avant étaient en une sorte de en papier mâché, non ? Oui, alors mes premières réalisations animalières étaient en papier mâché. Une technique que j'aime beaucoup. Et puis petit à petit, elle a évolué avec du, oui, une structure en fer, du grillage, et ensuite qui a évolué vers d'autres techniques avec des résines acryliques que j'utilise, ce qui permet de pouvoir les mettre dehors. Ils sont, voilà. C'est ça qui est sympa, c'est d'avoir le chien devant la porte plutôt qu'à l'intérieur, parce qu'ils aboient pas, vos chiens. Non, ils sont très sages. C'est le chien inutile, mais tellement discret. Et alors, j'ai remarqué que depuis cette année, les moutons avaient des cloques. Ça, c'est quoi, ces boules? Alors là, c'est des moutons, en fait, en ébullition. Alors, j'en ai eu toute une série. Et puis, comme je passe souvent d'un animal à un autre, parce que je ne me bloque pas sur une brebis ou sur un chien, je fais des volatiles, des bêtes un peu plus grosses, un zèbre, un lama, enfin, toutes sortes de bestioles. Très bien. Et en fait, moi, j'aime beaucoup le pélican. C'est un pélican, là-bas, le bleu. Oui, 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 c'est un pélican. Un juvénile. Il s'appelle Hermès. Et les trois bestioles à côté, c'est quoi? Des drôles d'oiseaux. Ah, c'est ça? Oui, des drôles d'oiseaux. Ils sont très drôles. Voilà. Et en tout cas, ces bleus sont magnifiques. Merci. Magnifiques. Voilà. Alors, non, c'est vrai, celui-là, c'est un drôle de lapin aussi. Oui. C'est Artaud. C'est un lapin blanc. Ah oui, c'est ça. C'est un peu comme dans Alice aussi. Voilà, voilà. On est un peu dans un monde un peu enfantin, quelque part, hein, parce que nous sommes tous des grands-enfants. C'est très sympa. Voilà. Et d'ailleurs, les tableaux d'Hervé, c'est aussi un peu enfantin, non? C'est quoi votre... Bah, disons que, ouais, je ne sais pas si enfantin c'est le terme, mais oui, moi je suis parti déjà tout petit... j'ai quand même succombé à la peinture de Dali et de Magritte, donc on me le fait remarquer assez régulièrement. Mais bon, ce sont mes maîtres quelque part, et puis ils ont réussi à conserver quelque part aussi une part de leur enfance et à l'exprimer tel qu'ils avaient envie de le faire au cours de leur vie. Donc j'ai appris le même système, mécanisme, si j'ose dire, et donc je peins dans un style plutôt surréaliste, mais bon, l'évolution fait que... on se retrouve quelquefois dans un monde un peu plus enfantin, comme les petites peintures qui sont là-bas, parce qu'il ne faut pas toujours se prendre au sérieux. Et puis, c'est bien aussi d'offrir aux spectateurs des choses un peu plus joyeuses que ce que l'on a actuellement au quotidien. Donc, tout est ainsi fait. Donc, vous exposez pas mal. Et votre base, votre atelier, il se trouve où ? Alors mon atelier est à côté de celui de Catherine, c'est pour ça qu'on travaille donc souvent ensemble et qu'on bouge souvent ensemble, c'est que mon travail, j'ai mon coin peinture et sculpture aussi, parce que je fais aussi de la sculpture, et puis Catherine a son coin, et quand on a besoin l'un de l'autre à donner un coup de main, ma foi, on peut effectivement s'aider pour réaliser quelques pièces qui sont intéressantes à faire ensemble, voilà. Et les sculptures que vous faites, c'est quoi? Vous sculptez quelle matière? Alors, les matières que j'utilise, par exemple, c'est le lapin qui est là-bas. C'est la seule que j'ai actuellement. Alors, c'est de la résine, mais dessous, c'est du bois. Et en l'occurrence, là, c'est un assemblage de pièces de bois, comme l'on pourrait assembler un meuble. Ah bah, j'étais persuadée que c'était de Catherine. Non, celle-ci, non. Bah, disons que c'est un animal qui pourrait effectivement être aussi... vu qu'elle a un lapin, faire partie de sa série. Mais là, c'est pas tout à fait la même matière. Moi, c'est de la matière plus faite pour les bateaux. C'est de la matière pour les bateaux. Dessous, c'est du bois. Dessus, c'est de la fibre de verre et de la résine avec une peinture bateau. Et pour réaliser ça, pour mettre en extérieur. Moi, je fais plutôt des grosses pièces, en fait. Catherine réalise des pièces plus petites. Eh bien, c'est très sympa, tout ça. Ça donne un petit peu envie. Mais j'espère. Oui. Beaucoup. De toute façon, on est appelé à se revoir, je crois, dans l'été. Je suis à peu près sûre, même. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Ben, merci pour votre visite.